J'ai le plaisir de recevoir sur cette scène d'Acropolis, nous avons le plaisir de recevoir sur cette scène d'Acropolis, notre deuxième finaliste qui vient de très loin, il vient de Nice Ouest, Jean-Claude, qui arrive. Le voici. Il y a des amis, des supporters de Jean-Claude? Alors dites-le. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Marc. Parlez dans le micro. Bonsoir Marc. Ça va, vous n'avez pas trop le trac? Beaucoup, mais... Mais non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça, vous tremblez juste un peu. Non. On va être dans le syndrome de la trémoline, on appelle ça en ligne. Absolument. Et vous allez chanter une très très belle chanson. D'abord, je voudrais vous remercier. Mais je vous en prie, allez-y. Mes nombreux amis, et surtout l'atelier de chant Yves Naudin du Soft à Grasse. Vous allez chanter une très belle chanson de Serge Vigène. Italien. C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une heure de sorte en sucette. Il est fatigant le voyage pour un enfant. C'est ici, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur, équilibriste, maréchal des logis, comédien draconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes huilées, je joue bien malodat, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais. C'est ici, aprimi la porta. Dico com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Pourquoi tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien. Ouvre-moi, ouvre une porte. Non, on est bon, c'est trop bien. C'est ici, abîmé la porte. Dis-moi qu'on est à ton adieu. Ouvre-moi.
Un personnage extraordinaire, un sacré bonhomme, Serge Reggiani.